reprendre. Toujours au même endroit. Ah, ils sont chauds sur ce serveur, ils sont chauds. Je sais pas si on va y arriver. On va faire aller sur Vorkuta. Ça tourne dans tous les sens. Allez, on est reparti. Donc j'enregistre à la suite. Hein. J'enregistre à la suite. Donc on y va. Donc on est tombé sur une team. Apparemment, ils ont pas apprécié que je tue leur pote. Donc attendez, on va se diriger sur Vorkuta. Il faut que je mette le marqueur. Vorkuta, c'est ici. Ok, on y va. On est à 1 km 800. Ah putain. Je pense qu'il y a des grosses bases. Ouais, il y a déjà une bonne base là-haut. Il y a des grosses bases et les mecs ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont farmé le serveur, je pense. Ils ont les hélicoptères de fou. Les mecs ils ont dû se dire c'est qui ce Nurgle là. On l'a jamais vu arriver sur le serveur. Il arrive, il tue un pote à moi. Qu'est-ce qu'il fait là? En tout cas, il était content de sa vengeance. Il était content de sa vengeance. En plus, le pire, j'ai juste tué ton pote, mon gars. Je l'ai juste tué, je l'ai même pas pillé. Pourtant, il avait une superbe AS50 sur lui. J'ai même pas été la chercher. Je préfère le DMR. DMR c'est plus fun. Je sais mieux m'en servir du DMR en fait. Allez, direction Vorkuta. Après il y a Old Yard aussi qui est pas mal à looter. Old Yard, il y a des fois il y a des bons trucs. Est-ce qu'on est sur le chemin de Old Yard? On est où là? Oui, on est sur le chemin de Old Yard. On va continuer la route, après on va prendre à gauche. Et on va tomber sur Old Yard. Il y a... Pour ceux qui découvrent hein, Days Mod, il y a des espèces de tours comme ça. Et au milieu d'une cour. Enfin, de vastes champs. Enfin, ouais, c'est comme une cour en fait. Et tout autour il y a des murs. Joey est mort d'une hémorragie. Ben mon dieu, t'as pas eu de chance toi. Et du coup on peut trouver du stuff très intéressant. Une autre voiture. Il manque pas des bagnoles ici. Hein. Il y a du zombie là. Old Yard, voilà, c'est juste à côté. On va faire la cabane de chasse. Il m'a eu. Allez, technique du sapin. Qui a mission? Bon, il n'y a que de la merde là-dedans. Je pense qu'il y a, il y a moyen qu'il y ait des mecs hein, sur Old Yard.
Donc il va falloir faire attention. Putain, mec, je l'ai pas vu. Je sais pas d'où il était, où il était. Hein. Il est sorti de nulle part. J'espère qu'il n'y aura personne. Dans les bois. Oh, il y a un bon petit sac là. Bison. Que de la merde. Que de la merde. Ok, il y a les zombies qui ont pop, ça c'est moi je pense. Après, je pense que le gars m'a tué, mais je pense qu'il est parti voir quand même le cadavre de son pote. Là, il va dire à son pote, ouais, il t'a tué, mais il t'a pas looté. Oh, ça doit être un noob. Il t'a pas pris ton AS50. Allez, monte, mon petit gars, monte. Ça, c'est pas mal, ça. M249. Voilà la lunette, comment elle est? Ah, elle est pas mal, hein. Ok. On y va. Une petite M249. Allez, on va se diriger sur Vorkuta. 100 balles. On est pas mal, hein. 100 balles, c'est pas mal, hein. Ça me suffit. On y va. Alors je sais pas si Vorkuta s'est squatté ou... On va vite voir ça. Est-ce
qu'il y a des snipers qui campent pour Kuta. Ok, nous sommes à Vorkuta. Une chèvre. Je suis un peu concentré là. On va dire. Toujours peur de faire des mauvaises rencontres. Oh, une gourde. Pas trop confiant ici. Et ça spawn pas dans les mairies? Y'a rien qui spawn. Ah, c'est Winchester. Ok. Y'a pas d'agro de zombies. Hein. Ah, c'est lui qui m'a tué là, super. McClone. Il a tué un autre gars. Alors lui c'est un énervé. Hein. Sur le serveur il est énervé de chez énervé. Depuis la mort de son pote. Voilà quoi, il en veut à la terre entière. Killer. Ok. Ouais, je vais les prendre, les painkillers. Ça sert toujours ça. C'est quoi ça? Un snack gâteau. Ok. Il n'y a pas un hosto à Vorkuta. Ça se canarde, hein. En tout cas ça se frite. Sévère. De loot là-dedans, je pense pas. Non, il n'y a pas de loot. Pourquoi tu m'as shooté, mec? Je croyais que c'était Nurgle. Putain.
peut-être il est bon ici. Non, parce que son pote, je l'ai tué, c'était murder, donc c'était pas un bandit. Il n'est pas friendly. Ok, bon, il faut trouver un petit hôpital là. C'est pas possible de trouver un petit hôpital là. Oh, cette base de ouf! Y'a pas d'hôpital à Vorkuta? Bizarre. Bizarre qu'il n'y ait pas... Allez, on va faire feu. Merde. Ok, bon. Ah si, il est là. Ah, c'était le bâtiment que j'avais vu au fond quand je suis passé au fond là-bas. D'accord. Pincement. Je pense qu'on n'aura pas le temps de trop de s'en servir, mais on les prend quand même. Hein. Une petite chaufferette. Bandage. Ok, on va aller voir à l'étage. Oh putain. Je vais voir en haut si j'ai pas des antibiotiques. Oh, il y a des mecs qui meurent d'infection et tout quoi. C'est quoi ça? De la gaz emballée. Ok. Bon, on se casse, il y a pas d'antibiotiques. Oh, il y a un véhicule là. Il y a rien. Ok. Ok, ok. Donc, prochain objectif, où c'est qu'on va aller... je pense qu'on va aller sur l'airfield un peu, voir ce qui s'y passe. Et après, on descendra dans le sud. Il y a des explosions. Donc nous sommes ici. Ok, on va aller là. Donc ça se retrouve, on est à combien, à 1 km 500.
de l'airfield. Donc on a fait Vorkuta, bah, il n'y a pas eu grand chose. Hein, Vorkuta, on a fait la supérette surtout. C'était, je comptais beaucoup sur la supérette pour avoir de la boisson et tout, mais je m'aperçois que qu'il n'y avait pas grand chose. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Donc on est à combien? On est à 20 minutes, donc moi je pense je vais vous laisser là pour cet épisode là. Et voilà, on se retrouvera pour l'épisode 3. Direction l'airfield. Il y a une bagnole là-haut. Ouais. On dirait qu'elle est en bon état. Qu'elle a été laissée là. Je pense qu'elle a été laissée là comme ça. Ok. Et une moto là. Mais décidément. Ok. Donc moi je voulais aussi là les gens. Donc prochain épisode ce sera l'airfield. J'espère que ça vous aura plu cet épisode sur Vorkuta. Ça a été calme, j'ai cru que peut-être on croiserait quelqu'un, mais on n'a pas on a croisé personne. Juste en début de vidéo, là, les hélicoptères qui se couraient après. Mais voilà quoi. Donc voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser là. Merci de suivre mes aventures comme vous faites. Je vous dis à très bientôt pour du Namalsk. Je vous dis, prenez soin de vous, c'était Nurgle, ciao ciao à tous.